se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour la partie 2, pour le remontage du pneu et de la chambre à air. Donc je me suis installé, là je me suis fait mon petit atelier tranquille pour bien vous montrer comment on va remonter tout ça. Là ça va être un peu moins galère que le démontage. Vous allez voir, on va voir ensemble comment on remonte tout ça. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et de liker, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense du travail accompli. Et ensemble, on va voir ça tout de suite. On n'en a pas pour très très longtemps normalement, et tout va bien se passer. Et je vous dis à tout de suite, on démarre le tuto, et on va commencer par remonter la chambre à air et le pneu, la coupelle et le disque de frein. Après, on viendra sur la trotte, monter tout l'ensemble à l'arrière. On repassera le câble dans le châssis, et on démarrera la trotte pour voir si tout fonctionne bien correctement. Parce que là, j'en peux plus, j'ai trop envie de rider là. Voilà les gars, à tout de suite. C'est parti. Bon allez les gars, c'est parti. Donc là, on prend la chambre à air, on va démonter le petit bouchon de valve. Voilà, parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Ici, donc le câble d'alimentation, ça c'était la technique pour pas démonter le pneu au démonte-pneu. Donc on se met les rondelles ici, comme ceci. On va passer donc le disque ici. Attention au niveau des sens de rotation quand vous démontez, gardez toujours le sens des éléments comme ici là, tac, n'inversez pas, faites pas comme ça, faites comme ça, voilà. Donc là, on a le moteur et le câble, ici, donc ici, valve coudée à 90, là, vous voyez, parce que cette valve, elle va aller entre les deux flasques. Donc là, normalement, vous pouvez mettre un peu de silicone dedans et tout, mais là, comme c'est de la super qualité quand même, que les poteaux, là, ils nous ont envoyé du Mans, c'est cool, il n'y a pas besoin, ou un peu de talc. Donc, la valve ici, à l'extérieur, voilà, encore merci aux poteaux de chez Dual Transport, le Mans. Donc voilà, donc ici, il y a une flèche ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, non pas trop, il y a la flèche du sens de rotation ici. Moi je m'étais fait un repère sur le moteur ici, sens de rotation vers là, donc là c'est très simple, on va passer le câble dedans, et c'est ça que je vous disais, que c'est quand même beaucoup plus simple de travailler comme ça, que de travailler en l'air avec un démonte pneu. Vous voyez, hop, le flanc il est déjà bien mis sur la flasque à l'extérieur ici, vous voyez, hop, vous voyez, ça va quand même beaucoup plus vite, et on travaille beaucoup plus à l'aise, voilà. Donc là, je vais bien repositionner ma chambre à air à l'intérieur du pneu, puisque cette flasque ici va venir appuyer tout l'ensemble. Donc il ne faudrait pas la pincer à ce niveau-là, vous voyez. Donc je remonte la flasque et je mets le disque en place. Et on voit comment on fait le serrage. Voilà, à de suite. Donc les gars, une petite technique. On passe donc la valve ici à 90 degrés au niveau de la flasque du moteur ici, et la petite technique c'est que vous remettez votre bouchon de valve comme ça, vous ne risquez pas que la chambre à air se barre, et si elle se barre, ça sera freiné par le bouchon de valve ici. Voilà l'équipe, donc on va se mettre ça en place tranquillement. Alors c'est sûr, c'est jamais facile, mais je vous assure que celle-là c'est vraiment une des méthodes sans démonte pneu. Voilà, qui vous fera moins galérer. Et donc au niveau de l'assemblage ici, attention à pas pincer la chambre à air. Voilà l'équipe. Donc ici on a remis la flasque, hein, les deux flasques de chaque côté, enfin une flasque on l'a remis ici, et on va venir donc remettre les vis. Donc nous, on en met une pour fixer la flasque comme ceci, là, une ici,
Et comme je vous disais dans la partie 1, on va toujours, pour pas vriller les matériaux, notamment la flasque, on va faire à l'opposé. Voilà. Vous faites un serrage des vis toujours à l'opposé. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vriller. Donc là, vous resserrez un petit peu, histoire que la flasque soit maintenue. Voilà. Donc l'ensemble est pincé. Vous voyez, on entend bien flasque contre flasque. Donc attention, cette partie-là, il ne faut pas pincer la chambre à air qui est entre les deux. Voilà, donc on va remettre les autres vis là, donc à l'opposé, comme je vous avais dit dans la partie 1. Ok, et ensuite on monte le disque. Allez, on passe au disque. Donc la petite flèche ici, le sens de rotation du pneu. Donc on va monter dans le même sens. Donc je fais passer mon câble. Je fais passer mon câble ici, je vous montre. Dedans. Là. On fait passer tout l'ensemble comme ça. Hop. Et en partie 1, vous vous rappelez, j'avais fait un repère ici et un repère ici. Donc je remets tout à l'origine. Voilà. Les petites vis avec le frein filet. Donc là, il y en a encore, donc pas besoin d'en remettre. Et là, pareil que tout à l'heure, on va faire un serrage, ce qu'on appelle en croix. Hein. Donc on va faire celle-là, celle-là. Celle-là, 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 celle-là. Toujours faire des serrages à l'opposé, en fait. Hein. Jamais d'affilée comme ça. Toujours à l'opposé. Ça vous permet de... C'est au niveau du vrillage hein, des pièces. Ça vrille pas comme ça. Vous avez un excellent serrage comme ça. Voilà l'équipe. Donc là, ça sera, bien évidemment, les vis qui étaient là. Hein, les deux, la flasque et le moteur. On a fait un serrage fort. Ici, ça sera aussi un serrage fort. Donc moi, j'utilise tout simplement... ce genre d'outillage, hein, avec une bonne poignée de main, tac, ça suffira largement, les gars. Voilà, donc je serre les vis, et ensuite, on va passer le montage sur la trotte. Voilà, donc l'ensemble prêt à remonter sur la trotte. Donc, la première rondelle, ici, celle qui va venir derrière le cadre, donc vous voyez qu'il y a le trou est houblon, hein, c'est pas un trou rond, donc deux parties plates et deux parties demi-cylindriques. Ici c'est pareil, donc nous mettons les deux rondelles comme ça, voilà, et on va venir appliquer la roue ici. Voilà, donc j'ai remis la roue. Vous vous servez de votre genou pour faire un appui, pour bien mettre l'axe. Donc, sur l'axe, il y a un méplat, hein, d'accord. Donc, le méplat va rentrer. Ensuite, vous remettez la rondelle d'arrêt dans son emplacement ici. Vous venez enclencher l'écrou de serrage ici. Tac. Voilà, vous ne vous serrez pas pour l'instant. Vous mettez juste en appui ici. Donc pareil. Rondelle. Et l'écrou. Et vous faites pareil. Voilà, donc le serrage des deux écrous de chaque côté a été effectué. Et donc maintenant, nous allons remonter le... l'étrier de frein, comme dans la partie 1, on avait démonté l'étrier de frein, mais là on va faire la même chose. On va donc le remonter, c'est très très simple. Voilà, nous faisons passer les plaquettes dans le disque. Nous venons prendre appui ici, sur la petite plaque. Et on va donc serrer les deux vis ici, une en haut, une en bas. Donc toujours pareil, une petite clé Allen, la vis qui va bien, on refixe ici, là sur la plaque. Donc là, ça sera un serrage modéré à fort, hein, parce que c'est quand même l'étrier de frein.
une en haut, une en bas. On en profitera aussi pour régler son câble de frein, ici. Hein. Vous dévissez légèrement ici, vous tirez le câble, et ça vous donne du freinage en plus, à la poignée. Voilà. Voilà, vous voyez, hein, serrage modéré. Hein. Modéré le serrage, hein. Ici. Modéré à fort, comme ça. Et maintenant, vous contrôlez. S'il n'y a pas de bruit, il faut que la roue soit assez libre. Alors ça, on va le mettre par là. Voilà, donc là, je vais devoir régler un tout petit peu, reprendre mon serrage. Parce que la roue, je l'avais un peu plus libre que ça quand même. On est pas mal, mais il faut s'appliquer dans le réglage ici. Voilà, je règle ça. Et ensuite, je vous montre comment on fait passer le câble. Et on remonte le garde-boue et c'est bon. Voilà, maintenant on va s'occuper donc du câble. Donc on va le refaire passer dans le trou ici du clignotant. Ensuite on va le faire passer dans le cadre jusqu'au connectique ici. On rebranche et c'est bon. Donc moi les gars, la petite technique c'est que tu vois, je me suis fait passer un câble que j'avais là qui traînait par là. Tac. Déjà directement dans le cadre, et à ce câble là voilà, je vais accrocher celui là comme ça je vais pouvoir le faire passer gentiment dedans, puisque vous voyez ici là il y a un bouton là, c'est pour l'allumage des feux de route, hein, qui est ici à LED. Donc comme l'intérieur, il y a la connectique ici à l'intérieur, donc il faut faire attention de ne pas accrocher quand on va passer le câble. Donc voilà, ça c'est une petite technique, et une fois que j'ai passé le câble, je raccorde tout ici, je remonte tout le devant, et le garde-boue comme vous avez vu dans la partie 1, hein, il y avait 4 vis à mettre, c'est bon ça, vous avez vu, et on fait le test. Donc voilà, j'ai recablé les câbles, que je vais remettre ici, je vais remettre la partie de devant. Et juste avant quand même, on va se faire un petit contrôle. Tac, se l'allume. On va se l'allumer. Voilà. Et on va faire la vérification de la roue arrière. C'est impeccable. Tout fonctionne. Tout est bien revissé correctement. Voilà les gars. Donc je vais remonter le deck. Hein. Il y a 2, 4, 6, 7 vis. D'ailleurs, en parlant des decks, trop tard les gars, pour les decks sur mesure, design. Faudrait que je voie moi si il peut m'en faire un pour la Wiibot, pour la Oma Wiibot. Hein. Ça serait sympa. En plus, il est pas très très grand. Hein. Pas très, enfin il est long en longueur mais pas très large en fait, ce petit deck. Donc il faudrait que je joue avec le poteau de chez Trotart, s'il peut me faire un petit deck là, ce serait sympa, hein, sur la Wiibot, franchement ça lui donnerait un peu plus de gueule. Et voilà l'équipe, hein, donc on va remettre les câbles dedans, on remonte le deck, le petit garde-boue, ça je vous montre pas, je vous ai montré au démontage comment ça se faisait, il y a 4 vis, il faut remettre les 4 vis, hein, point. Voilà l'équipe, ce tuto est terminé pour la partie 2. J'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit like, les gars, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Et sachez que ce tuto là pour la roue arrière, c'est pour une gamme de trottinettes. C'est pas que pour la Wiibot Oma. Ça s'adresse à beaucoup de gammes de trottinettes sur le marché. Ça vous aidera. Et donc, ben, pour finir la vidéo, tac, j'allume. Vous voyez, voilà, tout fonctionne correctement, il n'y a plus qu'à aller rider. Merci à tous, à bientôt, et je pense que la prochaine vidéo, ça sera pour le deck. On verra avec le poteau de chez Trot Arts, si vous voulez des decks lumineux pour un peu voilà, améliorer, enfin, tuner, on va dire, la trottinette, ça peut être sympa. Un petit deck lumineux, ça sera, j'espère, la prochaine vidéo, on verra, ou alors vous ferez autre chose.
Voilà les gars, merci à tous. Bise et à très vite.